frozen streets. Then it will die. Your love curdled already. Besides, I'll kiss your hand. You won't see the smirk beneath my lowered eyes. Nothing can get wise. All my children are carrying knives. Heureux copine, c'est Casdal et Farawan qui vous présentent la émission vraiment. Intitulée Speak and Sound, émission réalisée par Tire la Rego. Comment ça va mon copain? Ça va, et toi Farawan, comment ça va? Ça va bien? Ça va, eh, mais tu sais cette émission là, elle est tellement bien qu'il faut que tu ailles le dire à ta copine. Qui va le dire à sa copine? Qui va le dire à sa copine? Oh mon dieu. Hey, aujourd'hui on accueille qui? Aujourd'hui on accueille la Mathilde, un groupe de chansons françaises avec le petit plus du 77, tu vois ce que je veux dire? Je dirais les petits plus, parce que franchement, le groupe, il est super complet, tu vois. Ah. Hey, moi, je propose qu'on arrête d'en parler et qu'on s'écoute ça tout de suite. Franchement, mange-toi ça, mon gars. Allez. Je veux comprendre en devant, je veux comprendre en derrière, je veux comprendre le temps et comprendre à travers, je veux comprendre le noir, je veux comprendre le blanc, je veux comprendre le rouge et le jaune en dedans, je veux comprendre le temps, je veux comprendre l'histoire, je veux comprendre en dedans et les coups de poignard, je veux comprendre le temps et comprendre le tonnerre, je veux comprendre l'argent et comprendre la misère. En derrière, je veux comprendre les enfants, je veux comprendre leur sourire, je veux comprendre leur temps et leur envie de rire, je veux comprendre les pépés et comprendre leur passé, je veux comprendre les mémés, leur façon de tricoter, je veux comprendre les pourquoi et comprendre les papas, je veux comprendre les comment et comprendre les mamans, je veux comprendre en deux temps, je veux comprendre un instant, cette valse à trois temps, cette valse à mi-temps. Devant, en derrière, en deux temps, à travers. Allez, je plie comme son, on se remet. Dit bien fort la Mathilde. La Mathilde, hey, merci, merci, franchement, merci pour cet instant musical. C'était vraiment magnifique, les gars, prenez place. Installez-vous, les gars, je vous en prie. Faites comme chez moi. Ouais. C'est comme si c'était chez vous, quoi. Hey, c'était pas mal, quand même. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. On va attendre qu'ils aient cool, c'est cool. On attend tout le monde, ouais. On attend tout le monde. Okay, en fait, donc, on a pas la place d'être. Tout cela, mais ils sont juste derrière, voilà. Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, il y a la place, il y a place pour tout le monde, de toute façon. Donc la Mathilde, c'est la... ça, mais la Mathilde, c'est qui? Il y a qui dedans? Voilà. On est cinq, du coup, alors il y a Monsieur Mokhtar, là, le Vietnamien, juste à côté de vous. Levez-vous la main, levez la... Voilà. Salut, ça va? D'accord. Non, tu en jettes beaucoup. Tu peux un petit peu... Tu es le batteur. Voilà, je suis le batteur dans le groupe, et on a débuté, en fait, avec Elliot, à la base. D'accord. Très bien. Donc, accordéon, batterie, quoi. Pas mal du d'accord. Tout. Moi, c'est Olivier. Salut, Olivier. Je reviens d'un bain de soleil. Ouais. Il fait chaud, là. Et voilà. C'est Olivier à la guitare. À la guitare. Et donc, moi, c'est Yvon. Salut. C'est Johan aussi. J'ai plusieurs noms. Donc, okay. Je fais de la basse et de la contrebasse aussi sur certaines chansons. Ouais. Ok. C'est l'immigré du groupe, en fait. Hein. Pas mal, pas mal. Il cherche sa place, mal. Le mec. Pas mal. C'est bien, vous faites... C'est bien, c'est bien. Moi, c'est Julien. Je suis au sax et au cœur de temps en temps, quoi. Auteur, d'accord, au des textes. Au cœur, au cœur. Non, mais c'est non, parce qu'il y a des gens qui n'ont. C'est pas grave.
Très bien. C'est pas grave. Ok, génial. Et donc Elliot. Donc, moi, je suis Elliot et je suis celui qui fait l'accordéon et puis j'essaye d'écrire des textes, mais vraiment, j'essaye. Ah, je pense que ça va. Ça passe ça, beaucoup. Ouais, je pense que ça va. Ouais, ouais, ça va, mais je crois que vous faites des trucs aussi, non, c'est ça, hein. Ouais, mais bon, on n'est pas, pas, hein. Pas là si, pour si, ça. Si, si, on est là pour ça. Non. Alors, non. Eh, les mecs, c'était génial. Alors, déjà, le truc, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi on est en 2009. On est en 2009, il voilà, y a un accordéon. Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, l'accordéon, en fait, c'est rigolo parce que c'est un instrument super ringard, je crois, à la base. Enfin, c'est l'image qu'on a donnée à voilà, donné l'image, ça. Ouais. Mais en fait, vous avez dû voir un film qui s'appelle Amélie Poulain, je le dis à chaque fois parce que c'est un bon exemple. Ouais, exactement. Avec un gars qui s'appelle Yann Tiersen qui fait de l'accordéon. Et en fait, en tout cas sur ce film-là, l'accordéon a un vrai rôle mélodique et un vrai rôle même tout court sur la musique. Et je pense que c'est super rigolo de mélanger le tout. C'est quoi. Clair. C'est mais tu as choisi l'accordéon comme ça ou enfin, je veux dire, quel est le premier instrument que tu as joué en fait? C'est ça, tu t'es dit je veux faire de l'accordéon parce que c'est bien ou j'ai fait de l'accordéon parce qu'il y en a qui traînaient à côté de mon chat? C'est quoi l'histoire? Je te rassure, je fais qu'un seul instrument et déjà j'ai un peu de mal. Donc je fais de l'accordéon et puis okay. Après tu sais, c'est le feeling que tu as avec l'instrument, comme toi avec ton t-shirt. Enfin tu vois, à un moment donné tu c'est t'accroches vrai. Ou okay. T'accroches pas quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'âme ouais. D'un boxeur, dis donc. C'est vrai, hein c'est vrai. Fais gaffe au crochet droit. Alors, non, les mecs, c'est super. Donc, il y a cette touche d'originalité qui est l'accordéon. Ouais. Ensuite, il y a vraiment le mariage de tous les instruments. Tous tu les vois, instruments, ça donc, fait pas mal. Quand donc, même, hein. On a vu derrière. Comment s'appelle ton instrument? Une flûte. Un saxophone. C'est un saxophone. Un saxophone. On est venu, il est rentré discrètement. Tu vois. Il est venu à la sournoise. Tu vois, non, pas mal du tout. Sous marin quoi. Voilà. Sous marin. Donc, pourquoi le saxophone? Je veux dire. Grande question. Un grand instrument. J'ai commencé à 9 ans. Quoi. Voilà, ma mère en faisait, moi aussi. Quoi. Et d'accord. Tu en as 22. D'accord. Ah ouais, pas mal. Ouais. Les mecs, ils pratiquent quand même. Donc ça, c'est super, tu vois qu'il y a de l'accordéon, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et maintenant, dans le cadre musical, vraiment, où est-ce que vous vous placerez? Si on, par exemple, on vous pose la question simple, la question bête, la Mathilde, c'est quoi comme type de musique? Ouais, je crois que c'est super large. Enfin, on n'a pas vraiment de registre dans lequel on se met, mais on... En fait, ce qui est super important, c'est que nous, on aime s'amuser avec ce qu'on a. Exactement. Il y a Mokhtar, en fait, qui fait de la batterie, mais qui fait aussi de la flûte. Il y a Bob qui fait de la guitare, mais il chante aussi. Voilà, il a une trompette, il a plein de trucs. Enfin, chacun, un peu, à un moment donné, un peu éclectique dans ses choix, quoi. C'est clair. Voilà, c'est fait de la chanson, parce qu'on fait des textes en français, et puis un peu de rock. Donc, si chanson rock, c'est bien pour toi, c'est bien pour nous. Hein. Ok, donc c'est un petit peu de tout. On va pas chercher à vous mettre dans une case, de toute façon. Exactement, voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est des mecs qui font de la musique, tout simplement. Voilà. Ça va, pardon. Salut, je viens, je fais de la musique. Et toi? Non, moi je fais du mathématique. Non, c'est de la musique. Moi je suis super content de les accueillir ce soir. C'est pas mal. C'est de la balle. Et aussi, j'ai un petit détail à relever quand même. Hein. Non, tu sais quoi, on va parler plus tard parce que c'est très croustillant. Maintenant. On va passer. Comment s'appelle cette section? Un moment Nutella. Un moment Nutella. Vous me regardez tous avec des grands yeux, les mecs. Vous savez pas qu'est-ce qui va se passer. Mais attention. On y va tout de suite, on lance les Dance Machine.
nous voilà de retour. C'était vraiment un instant, comment on peut dire, un instant malabar, vraiment. Malabar, hein. Moi j'aime pas trop, je vais dire carambar. Hein. Ok, bon bah voilà, c'était un instant, en tout cas c'était un bon moment quoi. Ouais. Ça vous a plu les mecs, le petit instant Dance Machine? Ah putain, c'était énorme. C'est clair, hein. Ouais. Okay. Ça sent du gros ça. Ah c'est clair, par contre on va éviter de dire putain les mecs. Ouais, hein, parce que putain c'est pas bien les gars. On est subventionné, c'est ça. Hein. On dit pas putain. On dit puta au pire. Ouais, puta. Ok, on retourne sur votre musique, les mecs, c'est génial. Donc je voulais insister sur le fait que vraiment il y a de la création, quoi. Une recherche, tu vois, de création, de créativité. Il y a de l'originalité. Il y a de l'originalité. Voilà, j'ai utilisé trop de termes. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans l'album, quoi? Je crois qu'il y a un album, c'est ça, non? Ouais, bah je sais pas, Bob, tu peux peut-être en parler, non? Ouais. Ouais, bah ouais, on peut retrouver tout ça. Je sais pas, moi, l'originalité, c'est. Je pense qu'on excelle pas dans nos instruments. Après, justement, on est dans la recherche. Voilà, c'est ça. On est dans ça la recherche de musicalité, de son. Bah ouais, enfin, comme moi, je peux faire de l'archer sur ma guitare. Voilà, c'est ça. Je voulais venir. Ouais. Tu joues la guitare, c'est-à-dire, tu joues ta gratte, ouais. Mais tu joues avec un archer aussi. Ouais. Mais d'où t'es venue cette idée, en fait? Bah en fait, avec ma, je sais pas spécialement bien jouer de la guitare. Donc, je me suis dit que je vais faire autre chose avec ma guitare. Ouais. Ok, pas mal. Donc, je suis pas un soliste de fou. Donc, j'essaye de trouver d'autres sons. Et après, j'ai vu aussi pas mal de guitaristes comme Marc Sans, enfin, qui tourne d'ailleurs pas mal avec Yann Tiersen, qui lui, bah, il joue avec une perceuse sur sa guitare. Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui font plein de trucs bizarres. Toi, t'es doux, quoi. Tu joues avec un archer, c'est doux ce que tu fais. L'autre, la perceuse, ça fait délire un peu portugais. Ouais, non, mais c'est, en fait, ça fait des super sons. C'est super bien. C'est ce qu'on a pu remarquer, franchement. C'est pas mal du tout. Et j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes forcément à l'aise sur scène. Et est-ce que ça vous arrive de faire des concerts sauvages? On en a fait plein. Ouais, en fait, au départ, on a fait que ça, quoi. On est parti. Tu vois, à un moment donné, faut pas se voiler la face. On a commencé justement en 2006. On était des grosses bouses, d'ailleurs, on en est toujours. Hein. Tu peux le voir sur scène, mais tu vois, on est parti du délire. Voilà, quand tu sais pas faire de la musique, le truc qu'il faut faire, c'est aller la faire partager avec des gens. Et quand les gens disent que c'est nul, bah ouais, c'est peut-être nul. Donc t'avances un peu, t'as des critiques, t'avances. Et voilà, on a fait plus de 100 concerts, 150 maintenant, je crois même. Et à force de dire que t'es nul, bah t'avances. T'es encore un peu moins nul, mais t'es toujours nul, quoi. Donc t'avances toujours. Quoi. Ouais. Les mecs vont au charbon. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. C'est Franchement, j'ai pris une gifle, quoi. Et donc ça s'inscrit dans quoi? Dans un projet, là, concrètement? Enfin, quand on parle de concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez concentré toute cette énergie, toute cette recherche de créativité dans un projet? Ouais, en fait, ce qui est rigolo, c'est que justement, on est cinq, et on est cinq personnalités vraiment différentes, et on a tous un truc qui nous lie entre nous, c'est-à-dire des amitiés, des gens qu'on a rencontrés, enfin, l'humanité, quoi. Et en fait, on partage ensemble des émotions, et on essaye d'avancer dans un avenir où on a sorti un album justement là qui s'appelle Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre, voilà? On a écouté le morceau. Voilà, on l'a écouté parce que je l'ai écouté deux fois puisque j'ai trop kiffé. Donc voilà, je voulais pas qu'on le sache, mais bon, je suis amoureux de toi. Et donc ce morceau là. C'est pour ça le t-shirt. Voilà, tu veux comprendre l'homme, en fait. Tu veux te comprendre, c'est ça? Tu te recherches? Non, je crois pas que c'est une recherche. À un moment donné, c'est une question. Nous on a 20 ans. Voilà, qu'on a fait l'album, on avait 20 ans, qu'on a fait cette chanson. Et à un moment donné, à 20 ans, on ne sait pas tout. Bah, voilà, et c'est pour clair. Nous, c'était, voilà, on a envie de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et pour nous, la chanson parle d'elle-même, quoi, après. C'est une sorte de traduction de l'état d'esprit du moment, quoi. Pas à commencer à raconter des trucs et à croire qu'on est je sais pas qui alors qu'on n'est rien du tout. Tu t'exprimes tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai retrouvé, moi, cette simplicité sur scène qui m'a beaucoup plu. Ouais. Je vais arrêter de vous jeter des fleurs, les mecs, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ah non, sinon, on va se croire dans un cimetière. Non, parce que j'ai pas la main verte en plus. Ouais. Et. Donc cet album-là, là, il est sorti quand, les mecs? Il est sorti le 5 mars, en fait. On a fait une sortie à l'imprimerie 168 à Paris. Très bien. Donc, une belle soirée, vraiment bien organisée. On était vraiment contents. Mm-hmm. Donc après, bah, on le distribue par Internet, via MySpace. On est aussi distribué dans les FNAC, à Montparnasse et Oual, c'est ça. Et donc voilà, on a ouvert une boutique en ligne. Un téléchargement légal aussi. Hein. Aussi, surtout pas illégal d'ailleurs, légal. Hein. Légal. Ouais, faut le répéter, c'est un fléau, ça frappe plus que d'autres maladies. C'est clair, mais moi le truc vraiment sur lequel j'aimerais mettre le doigt, c'est que votre album, c'est un CD, dedans il y a des musiques, mais autour de ce CD-là, il y a une pochette assez originale, il y a un concept. Je fais bien d'en parler, il va te répondre, regarde. Exactement. Allez, raconte. Bah voilà, l'idée, j'ai fait ça avec en fait Vincent d'Utopix. Ouais. Donc, qui travaille aussi avec Armature, enfin toutes les associations du coin, Positive Pop. Okay.
Seine-et-Marne, quoi. Seine-et-Marne, quoi. C'est un produit bien chilou, du terroir. C'est cette mitraillette. Ouais. Voilà. Couvrez-vous. Et en fait, on est parti du principe qu'on est, on est une équipe, on est des amis. Et ce projet-là, on l'a fait, on l'a payé de notre poche. Et on va le finir avec nos mains, quoi. On va vraiment faire notre CD du début à la fin. Après, je dis pas qu'on va faire ça tout le temps parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'était histoire aussi de travailler ensemble, pas que de faire de la musique, faire la fête. Enfin ouais, monter un projet du début à la fin ensemble, c'est intéressant. En gros chantier, quoi, voilà. Ouais. En tout cas, c'était une bonne initiative de votre part. Mais... Ouais. Ce qui ressort de ça, n'empêche, à travers tout ça, il y a de la musique, il y a de la technique, il y a tout ça. C'est vraiment ce côté humain. Exact. Et c'est ce qu'on va retrouver, c'est ce que j'aimerais qu'on retrouve maintenant sur scène. Tout de suite, là. Les mecs, j'aimerais bien que vous nous interprétiez encore quelques morceaux. Encore un. Okay, histoire qu'on kiffe un peu. Okay. Par contre, tu le dis à personne, pour toi et moi, ça reste... Okay, d'accord, pas de problème. Allez-y les mecs, fuyez sur scène là, faites-nous kiffer un peu. On applaudit bien fort la Mathilde. Mon copain, c'était Speak and Sound avec Castel et Farawan. Hey. Retrouve l'émission sur tirelarigot.com. Et maintenant, kiffe avec la Mathilde. Cherche de l'amour, il n'y en a pas, carte de séjour, il n'y en a pas, cherche des papiers, il n'y en a pas, et des idées, je les trouve pas, t'as beau chercher dans le tas, des poussières, est-ce que tu vois, tu crois pas, cherche de l'amour, il n'y en a pas, et pour toujours, il n'y en a pas, cherche d'unité, il n'y en a pas, fraternité, je la vois pas, t'as beau regarder dans le ciel, étoiles et arc-en-ciel, t'as sommeil, et nous, on a que des clous. Je sais, c'est tout. C'est déjà ça. On a que des clous. On a que des bras. Je sais, c'est tout. Mais c'est déjà ça. On cherche liberté, il y en a pas. Égalité, il y en a pas. Les condamnés, je ne vois pas. On les compte sur les doigts. Il faut chercher et crier, manifester, hurler. Allez. Va chanter, peut-être qu'un jour il y en aura, tu verras. On sera là, on sera tous là devant. On marchera en chantant, c'est maintenant, et pourtant c'est demain. Tiens-toi bien, prends le bon train. Et nous, on a que des clous. Je sais, c'est tout. C'est déjà ça. Vous avez tout. Vous avez rien. Regardez où, bande de vauriens, on a 20 ans. Il manque des dents. Allez, fraternité, cherche liberté, égalité. Cherche, et un jour, il y en aura. On sera là, on y croit. Et l'amour. Je n'aurai pas des papiers, des idées. Tu en auras, tu verras. On a que des clous, on a que des bras. Un point, c'est tout. Merci.
Alors la prochaine chanson s'appelle La Nouvelle. On va finir là-dessus. Bonne fin de soirée à vous. Et vive cherche la Hugo. Sur ta peau chante, sous tes draps dans tes bras. Raconte-moi des cours, des prières jaunes dans les têtes sonnes, en guerre de mon veto. Contre-les, on donne 3 dans vos bras, 4, 5, 6 qui résistent, 3, 2, 1 dans vos poings, c'est les chiffres. 3 dans vos bras, plus ou moins ce matin, 3 demain dans vos poings, y'a plus rien. Les coules, pour demain coule, dans les sangs coule, dans les mains des enfants. À nouveau, la Noël, encore trop d'irréel. À présent, on écoute. À nouveau, la Noël, toujours trop d'irréel. À présent, on écoute. Dans mille langues, je sais. Merci à Tire Larigot. À bientôt.